Il va falloir faire plus de bruit pour les appeler. Team Essex, s'il vous plaît. Bon, comment ça va, Acro? Bah très bien, toi? Très bien, écoute, vous êtes ready? Vous allez affronter des joueurs, il me semble, qui savent bien jouer au jeu? Ouais, on a une petite surprise pour le public. On a un joueur de Vitality qui est là. Oh, qui sera présent à la 6 Cup dès demain. Donc c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Et nous aussi, on a un petit renfort de poids avec nous. On a le coach DRS qui sera avec nous. Est-ce que tu peux nous donner le nom du joueur de Vitality? Alors, est-ce que vous voulez connaître le nom du joueur de Vitality? Allez, je vous demande d'accueillir Ryze. Faites du bruit, s'il vous plaît. Allez, faites du bruit. Il est là. Il sera avec l'équipe Challenger, du coup, qui affrontera l'équipe Essex. Comment ça va? Super bien, super bien. Ok, alors, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que l'équipe Challenger, vous êtes combien? Dans l'équipe? Oui, là, actuellement, là. Vous êtes actuellement, t'es tout seul? Là, je suis tout seul. Ouais. T'es tout seul, d'accord. On m'a largué tout seul en premier. Bah, si t'es tout seul, ça veut dire qu'il va te falloir trouver des coéquipiers. Évidemment. On va devoir te trouver des coéquipiers. Et j'ai besoin... Qui a envie de jouer avec un pro player? Va falloir faire plus de bruit. Alors, là... Qui a envie de jouer? Alors, il a un maillot Vitality. Qui est diamant ici? Viens. Ah, je pense que tu vas pouvoir jouer. Ok, platine. Bon. Est-ce que vous savez me lâcher un gros V for Victory ici? Je vais te laisser te... Allez, V for Victory, allez. Allez, allez. Alors, je t'ai déjà trouvé un coéquipier. Attends, je vais un peu voir à droite. Je reviens, les gars. Alors, toi, vas-y, viens. J'ai déjà trouvé un coéquipier. Il a un maillot Vitality. Je me suis dit que tu allais pouvoir t'entendre avec lui. T'as choisi le bon. Merci. Il nous en faut trois autres. Deux autres, pardon. Deux autres. Là, toi là-bas. Ouais, viens avec la casquette. Toi. Et à gauche, je sais pas encore. Tu peux venir. Je rappelle qu'il y aura plein de petits cadeaux aussi pour ceux qui seront sélectionnés, bien entendu. Puis on en distribuera aussi pour le public. Regardez bien les games. En attendant, je vais vous demander de faire du bruit aussi pour le caster. Dinero, s'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Merci. Et on va pouvoir, du coup, préparer la game, Dinero. Voilà la composition de la Team Essex qui se trouve à votre droite sur la scène avec Cro, Fio, qui était avec moi pour caster, Reziak, Draz et Juz. Qui sont là, cette équipe Essex, cette Team Essex. Et du côté de l'autre équipe, est-ce qu'on peut avoir, voilà, Ryze, Aotsukini, Kiwi et deux spectateurs donc qu'on a vu qui sont là, la Team Challenger, face à cette Team Essex. Est-ce que, dans le public, vous voulez faire un petit pronostic? Faites du bruit si vous pensez que la Team Essex va gagner. C'est ça, elle est là. Et faites du bruit si vous pensez que c'est la Team Challenger qui va gagner. Ouh, ils sont plus chauds sur la Team Challenger, j'ai l'impression. Alors, en même temps, il y a un joueur de Vitality quand même. Effectivement. Ça aide. Effectivement. Ça aide quand il y a un pro player, ça aide forcément. Ça aide forcément. Je rappelle bien sûr qu'après cette partie-là, on fera tourner, bien entendu, dans le public, on prendra d'autres personnes. Évidemment, évidemment. Pour renforcer la Team Challenger. Parce qu'un professionnel, ça ne suffit pas, malgré tout. Oui. Alors, on est du coup en mode bombe, hein, c'est bien ça? On part en mode bombe, on part sur la map Consulat. Ah. Donc, cette map qu'on a pu voir hier, pour ceux qui étaient là, qui ont suivi les streams, une map que, personnellement, je l'avais dit hier, je n'aime pas trop jouer. Et regardez. J'aime bien, il y a le drapeau, c'est sympa. Il y a le drapeau français, c'est un consulat français. Exactement. On peut le souligner. Il y a trois bombes sites, j'ai oublié de le préciser. Il y en a un au garage, il y en a un au milieu, il y en a un au top. Donc les emplacements où on peut poser les bombes. Hein. Effectivement, voilà. Donc, c'est quand même l'objectif. Il faut quand même savoir où c'est l'objectif. Après, généralement, on joue souvent les kills. On joue, on joue souvent pour que, pour que les joueurs tombent. Ce qui est important, c'est de faire coucou. Oui, Reziak, tu passes à la télé. Voilà, c'est le moment. C'est le moment important.
Alors, du coup, on a, je rappelle, l'équipe bleue, c'est tout simplement les joueurs des Six, et à droite, du coup, en orange, les Challengers, c'est avec, ça. Alors, avec bien sûr le, notre cher joueur de Vitality. Enfin, ils sont deux, puisqu'il y a, il y a un supporter qui est venu. Un supporter, oui. Exactement. On peut presque dire qu'ils sont deux de chez Vitality, en fait, chez les Challengers. Presque. Ah, on va voir ça avec son niveau, à ce supporter de Vitality qui est là. D'ailleurs, t'en penses quoi du niveau de Vitality en e-sport pour demain pour la Six Cup? Parce que je rappelle, demain pour la Six Cup. Parce que demain, il y aura la Six Cup, hein, bien entendu, qui commencera dès demain et ça continuera samedi. Donc les 8 meilleures équipes françaises qui s'affronteront. Et Vitality a une chance de remporter cette Six Cup? On est sur une compétition, la Six Cup, où les équipes sont toutes de haut niveau. Oui, c'est sur son qualifié, ça a été compliqué. Toutes les équipes ont une chance de gagner. Alors vas-y, on veut des noms, évidemment. Quels sont les favoris pour toi? On veut des noms. Pour moi, le favori. Ah, il faut que tu te mouilles. Pronostic. Quels sont les meilleurs teams? Pour moi, pour demain, je verrai bien Vitality, effectivement. Vitality remporter. Ah ouais, tu vois Vitality, d'accord. Mais c'est pas totalement. Le finaliste, par exemple. L'autre finaliste, ce serait qui pour toi alors? L'autre finaliste. Alors attends que je me rappelle bien de l'arbre. Ça serait. Parce qu'on a du Millennium, on a du Bigenius, on a du Ares, on a pas mal d'équipes qui seront présentes demain. Ah, je dirais quand même Millennium. Millennium, voilà. tu vois une finale Vitality? Une finale Millennium Vitality, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Mais les premiers matchs vont être durs pour Vitality puisque ça va être contre Supremacy. Oui, un c'est gros vrai. Match. On est lancé sur cette partie depuis quelques secondes, vous le voyez. On va se mettre. Alors on va voir si t'as bien révisé. Ah oui, effectivement. Parce qu'il nous a dit que j'ai révisé. Est-ce que tu peux nous parler de cet agent d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous parler de Kavera, s'il Kavera te plaît? Kavera? Donc Kavera, agent silence. Brésilien. Silencieuse, on la voit comme encore ça d'ailleurs. C'est pas de velours, effectivement. Kavera qui a une faculté de. Ouais, voilà, une faculté, j'ai perdu mes mots. Alpha avance de pouvoir interroger des personnes. Joueur blessé. D'accord. Pour pouvoir. Alors interroger, comment ça se passe? On a des elle donne les informations, elle donne les endroits où se trouvent les ennemis? C'est ça, elle donne des informations et elle peut trouver la position des ennemis fixe. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est pas, on les voit pas tout le temps, d'accord. C'est juste au moment où elle les a interrogés, on a l'information, d'accord. Effectivement. Ah, c'est plutôt ça. Intéressant. Est-ce que c'est beaucoup joué en pro ou pas, Kavera? Ou c'est plutôt il me semble pas. Je m'occupe pas vraiment du milieu professionnel au niveau de mecha, c'est pas un milieu que je suis, hein, mais que. Est-ce qu'on la verra demain par exemple? Oh, on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir demain. On pourrait l'avoir. Ça sera pas le premier personnage pris, mais on pourrait l'avoir. Ouais. On pourrait l'avoir demain. C'est un personnage aussi qui a donc ce pas de velours qui permet en fait de pouvoir marcher sans être entendu. Et on sait à quel point le son est important sur ce jeu. Et 4v4 avec ce kill qui vient d'être fait. On a perdu justement Kavera. Et on a un joueur au sol. Suffisait d'en parler. La brésilienne du coup qui est au sol. Pour le moment, eh bien, on est sur une situation de 4v3, si je ne dis pas de bêtises pour les attaquants. 4v3, là il y a un joueur qui est relevé. 4v3, 3v3 maintenant. On avait deux joueurs blessés du côté de la trip. On va voir ce que Pulse permet de faire. Le Pulse en duel avec. Ah, c'est joli. Ça va passer. C'était très très joli ça. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui s'y attendent. Ils sont alignés. Attention, la grenade qui va quand même connecter. Mais le kill qui a été pris juste avant. Et le round qui est remporté par l'équipe orange, la team Challenger. 1-0 du coup. 1-0, 1-0 pour les Challengers. Alors d'ailleurs, pour gagner, pour remporter un match, c'est en combien de manches? Alors là, pour ce show match ici, on est en 4 manches gagnantes. D'accord, donc le premier à 4 qui remporte cette partie. Et en cas de 3-3, ça serait le premier qui remporte le round d'après. En fait, il n'y aurait qu'un seul round. En compétition, c'est des règles différentes. D'accord. On est sur 5 rounds gagnants. Et en cas d'égalité 4-4, on part sur 2 rounds gagnants. D'accord, donc à partir de 4-4, ça serait. Sur show match, mais ce serait par exemple demain. Par exemple, demain, s'il y a un match où il y a 4-4, on aurait forcément 2 rounds de plus et s'il y a 5-5 on est un seul round de plus. Ah d'accord, ok, oui, parce que pour pas que ça soit indéfini, pas, ouais, c'est pas c'est ce que j'allais te demander, ouais. Pour pas que ce soit interminable non plus avec du 14-14 etc, ce serait quand même compliqué. Ça serait très long, c'est des rounds très longs. On peut pas faire un système comme par exemple CSGO. Ouais, ce serait très long si c'était le cas. C'est beaucoup trop long. On part sur des matchs quand même à 5 rounds. On part sur des matchs d'une demi-heure minimum. Alors que là, on voit dans la composition défensive du coup des Six, il y a Ella et j'ai vu Rook puisque Ella a mis son pare-balles. Alors c'est quoi le. Parce que Ella, c'est l'un des derniers persos à être sorti. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de la jeune polonaise?
Alors, et là, effectivement, c'est un des persos qui est sorti. Il y a d'ailleurs son attaquant du groupe, donc des agents polonais, qui sortira bientôt. Ah, est-ce que tu connais le nom? Je n'ai pas le nom, ça n'a pas été encore, ça n'a pas été encore donné. Mais on va avoir bientôt plus d'informations. Soon TM, bientôt. C'est ça. Soon. Et un spawn kill qui est tenté là pour Ella, mais il n'y a personne. On va passer sur un agent d'attaque. On va aller, par exemple, sur Blackbird. Alors Blackbird, c'est... Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Blackbird? C'est l'américain, c'est bien ça, le Navy Seals? Exactement, Blackbird c'est un personnage de DLC qui n'était pas donc pas à la sortie du jeu. C'est un personnage qui a un bouclier comme vous le voyez sur son arme, cette vide qui va lui protéger. Ce bouclier, ça protège d'une tête. Et okay. On sait à quel point sur Rainbow, on met une tête, c'est l'avantage si on vise la tête. Il y a du monde devant la main. C'est implanté hein. Ah merde. Ça travaille normal, faut toujours planter ou pas? Il va pouvoir peut-être faire extrêmement mal à cette équipe. Allez, on achève. La Team Essex qui tombe. Oh là là. Et là, Maison qui se retrouve seul en AV5 et qui fait tomber le Blackbird. 1v4, attention, il peut le faire. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, mine de rien. C'est Reziac là qui va faire tomber. Après, il est quand même en V3. Parce que c'est pas... Oh, j'allais dire, il s'est donné, mais pas du tout. Ça n'a pas suffi. Reziac qui se lève. Et du coup... Il n'est pas content. Eh bien, égalisation, si je ne m'abuse. Égalisation à partout. Non, pour le moment. Non, pas égalisation. Non, 2-0. 2-0. 2-0, mon mauvais. 2-0. 2-0 pour du coup les joueurs des Six... des Challengers. Ils font le travail, hein, mine de rien. Le joueur qui ne fait pas de kill, sinon 4-3-2, au bout de deux rounds, c'est très homogène, c'est pas vraiment un joueur qui porte l'équipe comme on avait pu comme voir hier dans des tournois amateurs où par exemple Stouflex était monté sur scène et il faisait du 10-0 au bout de la deuxième manche. Voilà, là bon. Ça va. Isaac il va nous open ça en 2-2. Est-ce que tu voudrais dire que demain le public pourrait jouer à la place de Vitality? Non. Non, peut-être pas quand même. Ça risque d'être compliqué. Faut savoir qu'en face, ce n'est pas une équipe professionnelle non plus, c'est oui, la Team Essex qui bien est sûr. Spécialisée. D'ailleurs, on peut en parler de Essex. Essex qui est un site spécialisé sur Rainbow Six et qui fait plein d'articles, plein d'interviews de personnes en France, mais aussi dans le monde, puisque Essex s'occupe de tous les continents qui sont représentés en Pro League. Voilà. D'accord. Donc l'e-sport de Rainbow Six. L'e-sport de Rainbow Six qui est occupé donc... Par Six, on a des rédacteurs, on a des photographes là dans cette équipe. D'accord, bah pour le moment en tout cas, ils sont menés par les Challengers 2-0. Ils sont menés, effectivement. Oh merde, c'est quoi ce thermite de pompe là? Oh, il a thermite de pompe. C'est qui le mec qui a joué thermite avant moi, merde? Du côté de Sledge là, qui va perdre son drone justement. Ah. Ah, Termite qui semble... il y avait Termite qui... Termite qui ne qui pas bougeait bouger. Pas. Non, Termite il a dit non. Non, voilà, non. Voilà. Il est très bien. Mais il a vu sa voiture en fait, là il se renseigne sur le prix visiblement. Il essaye d'envoyer des pics. J'ai Termite pompe fuyée. Ah, on va jouer justement du coup sur cette personne qui est Fio, tout simplement. Alors Fio, on connaît son niveau exceptionnel sur le jeu. On va voir si avec ce pompe de Termite, il peut nous faire quelque chose. Parce qu'il a fait le Malinou. Maintenant, je me serais pas mis sur lui. Il a parlé. Maintenant, on va voir. Donc là, s'il tombe, c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste s'il tombe direct. On va voir. Il aurait trop parlé. Et déjà, le premier kill qui est pris sur Ibana, là, le kill de Bandit. On a vu Ibana, la japonaise. Ibana, effectivement, la japonaise. Ah, j'ai du Bandit partout dans son garage. Par contre, il a donné.
Tu l'as vu passer, toi. Ouais. C'est nice. La Mira qui est cachée. Il y avait la clé mort, il aurait peut-être pu. Il y avait dommage. La clé mort qui il y a eu le duel. Dommage, il aurait pu essayer d'en profiter mort, peut-être. Comme tu le vois, la clé mort peut se mettre devant. Putain, il a pas pris la clé mort. Il y a 3 balles de match, pardon. Parce qu'après, on part en prolongation. Au bout de... C'est vrai, il y a une prolongation de derrière. Donc, 3 balles de match, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Et on voit. Il s'est passé par où tout à l'heure ? Il s'est passé par le mec. D'un joueur professionnel, mais le public quand même, public qui se débrouille bien, mine de rien, qui se débrouille bien. Et alors, est-ce que au niveau offensif, est-ce qu'on a des compositions assez similaires de ce qu'on peut voir en pro ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Sincèrement, la montagne, on c'est... la voit pas. Gilet, merde, c'était pas ça le gilet. On a seulement une opener. Avec la méta actuelle où il y a beaucoup de pièges, on va revenir. Par exemple, là, on ne l'a pas. Alors, IQ, pourquoi il reviendrait ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, parce que IQ, on ne l'a pas vu encore aujourd'hui, il me semble, mais IQ a sur son poignet un petit écran. Non, par exemple, pour sa défense, il peut repérer les liaisons, les Valkyries, les smokes et les Ela. Ça, c'est toujours intéressant. Effectivement, il peut repérer tous les pièges, quasiment tous les pièges qui sont disponibles, il peut les repérer là. Du coup, c'est dommage de pas en voir en attaque la petite allemande. Elle aurait bien aimé être là. C'est dommage, effectivement, de pas la voir. Mais après, c'est pas non plus. Oui, bien sûr, ça reste un show match évidemment. Mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant. Ça va péter la part bizarre, ça va vouloir rusher. Du coup, j'imagine que Thatcher. Thatcher est en défense. Si Thatcher est en attaque. Ah non, Thatcher en attaque. Et du coup, Thatcher il doit être pris aussi pas mal alors. Thatcher est souvent pris. Il va l'être de plus en plus. C'est vrai qu'avant il était pris, mais. Il y a un but sur l'escalier. Lequel ? Mort. Il y a un autre avec lui. C'est mort. Mais attends, ils étaient deux. Mort, il a pris tête. Deux kills déjà, c'est pas mal.
Ils vont être main là. Ouais, ils vont être main. Gaffe au spawn kill. S'il vous plaît. Est-ce qu'on sait jamais si on peut faire une petite commande. Voilà, voilà exactement. On tente. Parce que là, c'est vrai qu'au final, il y a même Twitch. Twitch la française. Twitch la française. Et effectivement, Emmanuel Pichon. De son vrai nom. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Faut regarder le dessus, les gars, parce qu'à mon avis, s'ils tryhard, ils vont pouvoir du dessus avec les coups. Ah, mais c'est pas middle. Ils sont pas middle. Si, si, middle, quelqu'un middle. En face, c'est middle. Ah, c'est en haut ? Ouais, en haut. Et Capcan middle. Ouais, Capcan, il a piégé la porte main. Ouais. La porte main, il est capturé, les gars. Voilà. On contrôle le design admin en haut. Si on passe par le main. Ils sont invisibles, si on les voit on peut les détruire. Ouais, d'accord, ok. Faut les voir, ils sont invisibles donc. C'est quand même très compliqué. C'est très rare mais c'est possible. Et alors lui c'est Capcan, c'est ça? Capcan, effectivement, Capcan 2 de vitesse, 2 de protection depuis peu, depuis une semaine. Il était beaucoup plus loin avant. Capcan qui va poser 5 pièges de ce type là qui vont en fait blesser, pas injure hein, pas vraiment mettre au sol mais juste blesser, faire perdre 60 HP à la personne qui passera, et si on est en tout 60 HP bah effectivement on tombe, on meurt dessus. Un personnage maintenant beaucoup plus rapide qu'on va voir de plus en plus je pense, surtout qu'il a un C4. Capcan il est toujours dans celle de face. Il a pas et vu voilà, le drone de Twitch. On l'a vu passer. Il a une petite décharge mais il l'a pas vu. On louche un peu et le drone de Twitch qui va continuer là. Il essaye de choper la caméra, il se cache hein, derrière le pot de fleurs. Effectivement, c'est assez, je dirais pas compliqué à jouer Twitch, mais il faut vraiment être bon au niveau du droning. Être furtif. Twitch qui a aussi une bonne arme hein, là. Quelqu'un peut mettre la pression sur A ou pas? Genre péter, enfin, tirer dans la fenêtre ou mettre la lèvre. Y'a personne sur B, j'ai droné, personne sur B. Prenez au pire, hein, prenez. Toilette, y'a Doc, y'a deux toilettes, lésion Doc, toilette. Allez, là c'était. Allez, bonjour. Si vous avez une bonne, ça passe. Hein. J'ai plus le saucisson. Toilette, il est mort, lésion. Ah, il y a Toki, il est toilette. La toilette. Il a plus de vie, Toki. Ils sont où? Ils sont où? Un toilette. Une toilette tout seul. Gars, t'as du Capcan, les gars, encore. J'en ai pété un de ces pièges. Les deux autres ils sont beige quoi. Chiotte c'est top. Allez, je l'ai eu, j'ai eu. Là, 12 secondes, 10 secondes, 10 secondes les gars. Des crédits plus le poster de la Six Cup. Donc voilà, ça c'est pour vous.
Félicitations. Félicitations. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Ils ont réussi à gagner. Hop. Ouais, bah oui, c'était pas mal du tout. En attendant, il va falloir trouver un joueur. Une personne. J'ai besoin d'une personne pour rejoindre l'équipe Challenger. Faire plus de bruit, j'entends pas. J'entends pas. Allez, toi. Hop. Il a la casquette. Hop. Allez, viens. Je te laisse te mettre là. Pour une partie, tu seras Vitality. Dans l'espace d'une partie. Alors, d'ailleurs, je vais aller demander un petit peu. Parce que je vous vois là, je vous vois échanger des paroles, évidemment. Comment ça s'est passé, cette game ? Bah, c'était plutôt bien, je pense. Hein. On a su imposer notre jeu et voilà, c'est passé crème. Est-ce que tu as lead un petit peu la partie ou pas du tout ? Tu les as laissé faire un peu ce qu'ils voulaient ? Alors, j'ai essayé de faire ça un round, mais on s'est fait rect, donc j'ai vite arrêté après. Bah d'accord, et bah voilà. Alors, bah, je vais te laisser reprendre ta place, mais du coup, tes impressions aussi, Fio, pour cette première partie ? Franchement, c'est dur de maîtriser le clavier parce qu'on n'a pas l'habitude avec ces claviers-là. Mais après, sinon, non, je pense que la deuxième, on va bien jouer. Ouais, on a Rezia qui est fort, donc ça va passer. Merci à toi. Je te laisse t'installer. Il y a quand même eu l'invocation du clavier alors qu'il avait taunt, hein, quand même. Il avait taunt. On t'a vu. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir égaliser la team SX ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent le faire, SX ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent égaliser ? Non, ils sont pour le public, hein. Je pense qu'ils sont pour le public. Et pour les challengers, vous pensez qu'ils peuvent gagner ou pas ? Je crois que nous avons trouvé le favori du public, mon cher Dinero. Il me semble. C'était déjà le cas avant la première map. Et effectivement, ils sont plutôt... Ils sont plutôt pour la team challenger. Après, ils sont pour les leurs. Il y a un joueur pro à l'intérieur. Puis c'est la team du public aussi. C'est la team du public. Ils veulent que leur équipe gagne. Forcément, ils veulent que le. C'est un peu normal. Ils veulent que les joueurs du public gagnent. Bien entendu, le public veut que ses propres membres gagnent. C'est tout à fait normal. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on a changé de carte ? On a changé de carte. On est parti. On va partir tout à l'heure sur Clubhouse. Est-ce que tu peux nous parler de Clubhouse ? Toi qui as un peu révisé jeu, parce qu'il faut le savoir, hein, tu n'es pas un spécialiste de Rainbow Six. Ah bah non, pas de pas base. Pas du tout. Tu as révisé. On va voir si tu as bien révisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la voir sur le côté gauche. Enfin, votre côté droit, mon côté gauche. Non. C'est pas celle-là ? Mais pas celle-là. Ah bah voilà, je me suis fait piéger. C'est le thème park qu'on voit. D'accord, ici. Je me suis fait piéger du coup. C'est pas l'une des dernières maps. C'est une map de base. Qu'on a eu Clubhouse, qui est une map que beaucoup de joueurs apprécient. Mais je me suis fait bait par ça en fait. Parce que derrière, on voit la carte en fait. Non, mais c'est pas la carte en fait. D'accord. Ça, c'est le fond. Eh ben c'était le fond justement, c'est pour ça que je me suis fait bait, d'accord. De cette map. D'accord, je me suis fait bait. Bon. On était bien sur la fin, hein. Bien joué quand même. Je crois que je vais jouer Twist, hein. J'étais pas mal avec le coach exception. Il y avait beaucoup de problèmes. C'était pas tout à fait le ça, nouveau DLC. C'était pas un DLC, il n'y a pas eu de nouveau perso, c'était juste une saison. Voilà, donc on voit Velvet Shell à côté avec la petite Mira. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Mira d'ailleurs, Dinero ? Est-ce que tu peux nous parler de Mira ? Mira qui a des miroirs noirs. On va lancer. Tu sais quoi ? On va lancer la partie, pas ils de problème. Vont être prêts. Alors, du coup, peux-tu nous parler de Alors, Mira ? Allez, on les pète, hein, cette fois-ci. Hein. Ah, 12 là. Ils nous sortent les games de folie. 13, ils nous sortent le coaching de folie. On va voir, hein, il va être en bas. C'est très bien d'avoir des drones déjà en place pour le paquet sur la et, qui vont tout simplement donner un avantage à cette défense qui va pouvoir voir les adversaires de ce mur. Mais attention parce qu'il y a une petite bonbonne rouge dessus. Et si Twitch, en l'occurrence, éclate cette petite bonbonne, le miroir tombe. Et là, dans ce cas-là, ça peut...
des pupilles. Soit un coup de choc drone, drone de Twitch. Et il possède donc 3 grenades IEM qui vont faire perdre les viseurs aux joueurs qui sont dans la zone évidemment et tous les matériels informatiques. D'accord, électroniques, ouais, l'IEM, simplement. Tout simplement qui va tomber. Ok. Disparaître. Alors vous avez parlé de ce que le garage a été. Les 45 dernières secondes, puisque en environ 10 à 15 secondes, c'est le temps qu'une smoke dure. Ah oui, du coup, ça peut temporiser. Elle a totalement, et c'est exactement ça, ça sert à temporiser. Et on le joue souvent avec cette compo, donc avec un pompe et la SMG11 qui permet quand même d'avoir un pistolet mitrailleur qui peut quand même qui peut faire beaucoup de dégâts. Et donc voilà, c'est ces grenades qu'on voit. Alors, on voit pas la fumée, mais c'est une fumée jaune, hein, tout simplement, qui a. Ah bah, voilà, on la voit, parfait. Il suffisait de lui demander. Cette fumée jaune. Est-ce que tu peux m'amener un café? Attention, caméra couloir, elle va nous interroger, je pense. Ouais, je me fais interroger. Il y a plus de temps. Bernd, ouais, parce que. On veut faire un peu, de bruit parce que c'est avec le public là. 1-0 pour les challengers, on peut les applaudir s'il vous plaît. Je rappelle que c'est le premier à 4, sauf s'il y a égalité, tu nous en parlais tout à l'heure. Effectivement. Mais pour le moment, 1-0 pour vos favoris en plus, pour les challengers. Et on voit, il y a des personnages qu'on n'avait pas encore vu apparaître, et on avait parlé de Mira et on l'a vu. D'ailleurs, j'ai bien aimé hein, le joueur de Smoke parce qu'on lui demandait de caler, de montrer. Il faut savoir. Ouais, je vais sortir par église, laissez-moi les murs église. Qui nous ont écouté tout simplement. Alors on voit Ella, hein, la polonaise, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est Ella. Des mines. Alors c'est quoi son style de mine du coup? C'est des mines. Alors, je vais essayer de le dire, c'est compliqué. Grismoth. Ah non, mais c'était plus qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est en gros, ça va te stun. D'accord. Tu vas pas être flashé, mais tu vas avoir une vue extrêmement troublée. Tu vas te déplacer au ralenti. D'accord. Tu vas être. On dit qu'on est bourré. On est éméché. On est un peu éméché. On
titube un peu et ça va ralentir un joueur et ça va permettre de pouvoir l'attaquer. D'accord. C'est bien. Certains Alpha trouvent que c'est trop, que vraiment c'est... étourdir un adversaire et il va pouvoir tout simplement ça permet de reconnaître aussi j'imagine ça peut servir comme une caméra, une sorte de caméra. En fait au final les gars on va essayer de poser par le couloir qui se jette. Il y a
quelqu'un peut prendre mon drone s'il vous plaît, pour que je me passe back. On est parti. Fais-moi la rentrée. Il y a quelqu'un billet ? Ouais. Pas billet, mais il y a quelqu'un en bas dans le. Faut que tu me fasses l'ouverture billet là. Vraiment, hein. Je peux pas passer, je peux pas rentrer avec. Puis derrière, je suis garé. C'est drôle, viens, il y a pas de billet. L'ouverture du mur là, c'est celui-là. Ah, le mur, là. Et nous, on va redescendre. Et là, regarde, viens avec moi. Plein de trous ici, là. On est sorti où ? Pareil, là. Alors, fais des trous au sol, là, comme ça. Tu vas avoir la vue sur le bas. Il est dans l'escalier. Il est où le désamorceur ? Merde. Il est sorti, quoi. Couloir, kitchen, c'est rentré. Il a envie de gagner. Je pense qu'on peut les encourager, s'il vous plaît, les deux équipes. 2-1 pour le moment pour Essex. Il va falloir les encourager. Je sais que vous êtes pour les challengers. Et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde qui est là, ici, à ce stand, dans ce hall 3 de la Paris Games Week. Pourquoi pas aussi ? Non, bien. Hein ? D'ailleurs, on va devoir. Attends, je prends des grenades après. Il y avait pas mal aussi des grenades après. Ouais, je préfère. Quitte à ce que t'as grandi le trou éventuellement. Ça marche. Gilet, n'oubliez pas. Oh là là, mais c'est quoi ces conflits sur ce coup ? Je fais des murs garage, hein, Vous voulez défendre le scriptiste ou avant ? Moi je vais défendre la réserve. En fait, tu vois où c'est, bière, De quoi, C'est où, toi, où c'est, bière ? C'est où ça ? Tu veux que je mette là pour la défense ? Attends, ok, ça va, je vais renforcer là-bas déjà. On n'a pas renforcé le billard, mais c'est bon. Un billard, tu veux qu'on laisse ? Bah, renforcez-le peut-être, non ? Ah bah oui, bah, c'est la question que je posais. Ça va, chose, c'est plus. Thank you.
Shatter, viens, 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 juste en dessous de toi, c'est rentré. Sous, pardon. Ah bah débarras. Ah bah débarras. J'ai lâché la souris le coup. D'accord, donc encore une fois un personnage qui est doté d'IEM. Un brouilleur de signaux. D'accord, ok. C'est la petite différence, c'est que ça ne va pas détruire le drone, ça va juste le bloquer. Et si par exemple un attaquant fait tomber ce petit brouilleur, le drone peut repartir. Ah d'accord, ok. Et on peut s'en servir aussi pour faire un peu comme les bandits, c'est-à-dire le mettre derrière un mur renforcé et empêcher de poser la dernière. En fait, on va pouvoir la poser, mais elle ne se déclenchera pas. D'accord. Tout simplement, voilà, ça va juste brouiller. Ça peut protéger, quoi. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Intéressant. Sinon, est-ce qu'on a eu des personnages qu'on n'a pas vu encore? Il me semble qu'on a Capitao qu'on n'a pas encore vu. Capitao qu'on n'a pas vu. Ouh, la petite balle. Il a été mise là. Il y a eu du tir allié là. Il y a eu du tir allié chez les oranges, chez nos challengers. Ouais, il y a plus. Plus, il cuisine pour l'instant. Ça va plus. Peut-être pas qu'il a. Peut-être pas qu'il a. Il est barre plus. Il va être barre. Ouais, il fait la trappe. Donc les incendiaires, j'imagine qu'elles tuent, elles brûlent l'adversaire. Elles sont létales, elles peuvent mettre beaucoup de dégâts, mais on s'en sert vraiment pour bloquer une porte. On voit dans la porte, on passe ailleurs, et ça va obliger le joueur défenseur à se décaler, mais avec la fléchette, il ne pourra pas y aller. Les infos, ça prend les infocams, attends, Attends, je connais derrière le bar pour voir si c'est un paquet qui se cache. Les gars, vous pouvez faire les trappes, s'il vous plaît. Il y en a un trap. Il est scanné bas. Là, t'as caméra au top dans les escaliers. Au ping. Allez, encore. Là, elle a pété. Elle va passer, okay. Elle fait la trappe. Bleu, il y a caméra ce qui est. Ouais, mort, caméra, elle est en train de prendre la trappe. Ça, c'est l'état du coup pour les joueurs d'essai qui sont plus en bleu. Je rappelle les joueurs du public, notamment en orange. Il y en a deux là, plus un, fais gaffe. C'est pas en vous ? Ouais, je rappelle les mémo. Voilà, bro. Putain. En 4v2 à jouer, on est bien. Effectivement. En défense 4v2, j'imagine que c'est quand même un gros avantage. C'est bien, après ouais, on n'a pas des personnages. Et là, Capitao qui va se donner, qui va prendre la tête. Ça va être très compliqué. Elle a fait mal celle-là. Pour ce Sledge qui se trouve en 1v3 dans ce tunnel. Il va pouvoir ressortir. Il a pris un kill quand même. Qui n'avait pas été renforcé, il a quand même pris un kill. 1v3. Ah, bien, 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 bien.
Qui n'était pas dans son jeu habituel. Il y avait les choix du public. Il y avait les choix du public. Là-dessus, Tony avait choix du public. Il avait filouté. Il avait trouvé les meilleurs joueurs parmi le public. Système activé. Alors, on voit Bandit du coup ici. Donc, le Bandit peut piéger les murs. On en avait parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas piéger les murs, c'est tout simplement les bandifier, les électrifier. Voilà. Ce qui va permettre pour un droïde qui passe à côté de disparaître, de se faire électrocuter. Pour une charge de disparaître, pour une charge d'Ibana de disparaître, pour un joueur de passer, de prendre quelques petits tics de PV et de perdre des PV. Ça ouvre le tunnel. Qui est faite, il n'a pas tenté d'y aller, il avait encore une batterie, pourtant il aurait pu tenter le bandit d'y aller. Quand on est full HP, effectivement, ça va pas nous mettre dans le mal. Mais ça met des dégâts. Par contre, quand on est en fin de vie. Ça peut tuer. Ça peut tuer. Hein. Quand du coup, une dizaine d'HP, ça peut faire très très mal. Bandit, l'allemand. Ibana attrape cuisine. Et il attend un petit peu. Il attend, mais là, il n'y a personne qui va passer puisque le thermite est parti faire. Non, il n'a pas fait la trappe. C'est Ibana qui a fait la trappe. Et on a un joueur qui est jacalisé. Ah, l'espagnol. Donc, c'est Cavera qui est repéré et qui va tout simplement. Faire un retake, elle a tout simplement fait un trou à travers les deux murs passés. Ça a été passé le tunnel. La japonaise qui s'est fait sabrer, c'est dommage. C'est dommage. Et du coup, Rakal, c'est vrai qu'on en avait pas trop parlé. Donc tu me disais, il avait cette faculté de pister. Bah, donc voilà, on la voit, il voit les pas. Bah là, il l'a pas vu. Là, il verra plus. Oui, c'est pour l'histoire.
faudrait gagner, pas avant. Gilet ! Et ça peut se jouer des fois à avoir un 6-5. Ah 6-5, ça... peut-être demain ou après-demain. On espère d'un côté, puisque ça ferait des matchs beaucoup serrés, très serrés, et qui permettrait au public et aux gens qui vont nous regarder demain sur Ubisoft FR bah, d'apprécier bien sûr les games, hein. D'apprécier les matchs, forcément plus c'est serré, plus la tension est palpable. Vous avez fait les trappes ? Non, on peut faire les trappes. Ouais, mais je suis avec vous, je vais faire ce que je peux. Ça va être chaud pour les trappes. Je fais que celle cuisine. Hein. Ah merde. Non, c'est à moi. Petit, non, bourrez pas vêtements. Moi, il y a le Twitch qui vient me chercher, je suis mort. Sauf si, t'attends le 1. Il faut qu'il t'attend le chantier. Nice. Garage, il est loin. Non, les trappes elles sont pas faites. Mais c'est ce que ça, je suis cuisine pour ce qu'on a rien. J'ai plus vu, il y en a un garage qui m'emmerde, il y en a qui m'emmerde. J'ai touché, j'ai marre. Équipe, s'il vous plaît, avec la victoire de Team Essex. Très bien joué. Ça a été délicat, ils avaient perdu le premier match. Cette fois, ils se sont très bien rattrapés. Félicitations. Ouais, ça a été pas de facile, franchement. Ouais, c'était un beau match, hein. Mine de rien, très serré. On a dû aller sur les prolongations avec ce 3 partout. Et au final, je pense qu'on veut faire encore du bruit, s'il vous plaît, pour les challengers. Sachant qu'ils vont repartir, bien entendu, avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux, bien entendu, qu'on va pouvoir vous donner. Des petits cadeaux qui sont par là. Et pour le public, bien entendu, ce show match, en tout cas, c'est terminé. On peut les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Team Essex et les Challengers. Et pour le public, juste après, on vous en a parlé. Est-ce que vous savez ce qui se passe après? J'ai pas entendu? Il y a qui? J'ai pas entendu. Tony FPS qui arrivera nous rejoindre juste après. Donc on va se marquer une petite pause juste avant. Je vous demande encore de faire du bruit, s'il vous plaît, pour la Team Essex.